Cette ligne est réservée au secours. Toute demande de renseignement peut être obtenue en contactant le standard de la police par le numéro à 10 chiffres figurant dans l'annuaire. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera sanctionné. Police Secours, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Excusez-moi, j'ai peut-être fait une erreur. On vient d'être agressé à la maison. Ils ont explosé la porte. Il n'y a pas de blessé. Mais ils viennent d'exploser toute la porte chez nous. Des individus se sont introduits chez vous, madame, c'est ça? Ne pleure pas, chérie, ne pleure pas, chérie. Je suis avec mes deux enfants. Et mon mari qui vient d'essayer. Enfin, ils se sont battus, oui. Ils sont partis, là, madame? Oui. D'accord. Ils étaient combien? Ils étaient deux. Vous pouvez me les décrire ou pas du tout? Ils étaient cavoulés. D'accord, je vous envoie quelqu'un rapidement, madame. Merci. Merci parce qu'ils ont fracturé la porte, on a peur qu'ils reviennent. D'accord, madame, d'accord, on s'en occupe. Merci. Et appel général de TN 31, tous, là, on nous signale 3... Agression, violence conjugale, vraie panique et grande solitude. C'est la police, les flics, les keufs, comme ils nous entendent au quotidien, mais comme vous ne les voyez jamais. Ça se passe au PC central du commissariat de Toulouse. Un huis clos de quelques nuits passées aux côtés des policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? À leur rythme, à celui des histoires qu'ils entendent et des drames qu'ils sont les premiers à encaisser. Mais que fait la police? Police Secours? Oui, bonsoir, je vous appelle parce que là je suis au bord de la rocade. Oui. Et il y a un individu qui est à moitié torse nu en plein milieu de la route, je vous dis. Hein. Torse nu. En train de faire du stop. À quel niveau de la rocade? C'est la sortie de la Sesquière, comme si vous alliez à la dune. À hauteur de la sortie Sesquière? Voilà, à hauteur de la sortie Sesquière, juste en dessous du pont. Alors, sous le pont et en venant du Mirail, c'est ça? Voilà, en venant du Mirail, on va dire. Donc c'est en intérieur, d'accord. Allez. C'est noté, monsieur, on y va, hein? Merci, au revoir. Merci. Allez. À vous, au revoir. Ouais, vous rapprochez de ce piéton torse nu là sur la rocade, en intérieur, à hauteur de la sortie Sesquière, sous le pont. Bonjour madame. Bonjour. J'étais sur la rocade toulousaine, avant la sortie 15 en fait, et là il y a deux individus donc qui s'amusent à se promener sur la rocade. Ah, voilà. Moi j'ai réussi à les éviter de justesse. Alors, avant la sortie 15, en venant d'où? Je venais de Montaudran. Direction où? Direction Bordeaux. Très bien, on arrive, monsieur. On va aller voir ça. Hein. Piéton qui déambule. Mais c'est pas possible. Ils se donnent le mot tous en même temps. Là. Où c'est que je l'ai mise? Là, qu'est-ce que j'ai dit? Sortie 15. Ouais, c'est reçu main courante 195. Vous rapprochez du Capitole étant donné qu'on n'a personne d'autre. La police, bonsoir. Bonsoir, vraiment, je suis désolé de vous déranger. Je vous en prie. Je n'ai pas le numéro de l'horloge, c'était pour vous demander si vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît. Il est 1h23 du matin. Ah, parce qu'il ne fallait pas avancer ou reculer? Il va falloir reculer, mais c'est à 3h qu'il sera 2h. Donc là, en fait, il est minuit 23, si vous voulez. Ah, là, il est minuit 23. Voilà. D'une heure. On va la refaire. Là, actuellement, il est 1h23 du matin. Ouais. Mais à la nouvelle heure, ouais. Il est minuit 23. Ah, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Je vous remercie bien, monsieur. Avec plaisir. Bonne soirée, au revoir. La police, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, la police, je vous écoute. Oui, il y a des gros problèmes à Saint-Pierre, à Saint-Pierre. Est-ce que vous pourriez trouver un endroit plus calme pour parler? Oui, je me décale. Merci. Il y a de gros problèmes à Saint-Pierre, les bouteilles qui volent, les masques en général, les abonnements. Oui, c'est à quel bar? C'est sur la place, devant le bar du club Saint-Pierre, devant tous les bars en fait, ça parle vraiment en masque en général. Une générale.
D'accord. Voilà, mais vraiment, il y a des mécontents déjà, et voilà. Allez, c'est parti, on vient voir ça. Oui, parlez. Allez, on a encore pas mal de monde sur la place Saint-Pierre, c'est très électrique, donc je suis à la fermeture des bars et l'évacuation totale de la place. Je vais maintenir TJ783 et nuit 13 sur place. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle pour, comment on pourrait dire, dans un couple qui ne marche pas, et au point où, une fois, ça a déjà été au niveau de la violence, et qu'aujourd'hui, ça va revenir au niveau de la violence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on vous appelle ou on laisse passer les choses? Ben, on se sépare quand on est intelligent. Ça, on va avoir un psychiatre, mon petit gars. Voilà, mais on va pas avoir un psychiatre, on se sépare au lieu de se taper dessus. Oui, mais moi je vous réponds, vous m'avez posé une question, je vous donne la réponse. Excusez-moi, je ne parle pas du tout à vous, non. Je... Madame, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi. Oui. Quand ça ne va plus dans un couple, et quand on a eu déjà de la violence dans un couple, on se sépare, on fait des choses d'adultes, on se regarde dans les yeux, et on se dit ça marche plus, on arrête les frais, on se sépare. Bah oui, mais je veux bien, je suis d'accord. Voilà. Vous allez vous rendre au Nourrissaire, au niveau du rond-point Arnaud Bernard. On a un individu en position fœtale depuis plus d'une heure. Donc les SP ne se déplacent pas. On ne sait pas si monsieur est en ivresse ou en malaise. Ouais, c'est parfaitement. Police secours. Je ne comprends pas, madame. Combien de personnes se battent? Non, ils vont se battre, ils ont une assiette sur la tête, ils sont lui, il y a au moins 10 personnes en tout. Alors 10 personnes qui se battent, c'est dans la rue? Non, c'est chez moi, c'est dans le hall, c'est mes voisins. Alors, qui se battent dans le hall de l'immeuble. D'accord. À quel niveau, quel étage? Au rez-de-chaussée. D'accord. Madame, dites-moi, il y a un code d'accès pour entrer? Oui, c'est, mais je suis dans le hall, je vous dirai. Allez, on arrive, madame. J'ai une assiette sur la tête, madame. D'accord, on arrive. Au revoir, madame. La police, bonsoir. Bonsoir. Bar des sports. J'habite au-dessus, mais alors c'est invivable, hein. Dans le bar, ils ont fermé le truc pour entrer, vous savez. Ouais, la porte. Vous voulez entrer, ouais, la porte. Mmh. Alors, c'est un peu comme ça qu'il s'appelle. Ce tour dans la salle à manger, c'est infernal. Hein. Et si vous dormiez dans la chambre? Oui, mais non, mon mari ronfle, je ne dors pas avec lui. Ok. T'es reçu. On va aller voir. Merci. Ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Police secours? Ouais, on est en galère là. On a besoin de ta chatte, sale pute. Allez, bonne nuit! Police secours? Ouais. Bon, écoute-moi, dès qu'on va avoir un barrage, on va vous traîner sur 50 mètres, bande de fils de putain, fils de rats, de chiens, des fils de pute, bande de sale schmitt. Appel général du TEN 31 à tous, veuillez reculer vos montres de 1 h. Il est actuellement 2h07 du matin. Donc prenez note, vous reculez tous vos montres de 1 h. Il est 2h08 du matin maintenant. Appel général terminé. Thank you.
Ouais, c'est à côté de Charles Géniaud. Merci, reçu. Police secours. Ouais, bonsoir. Bonsoir. C'est Macaque B, le sage serpent. Ouais. Vous appelez pourquoi, monsieur? Mais parce que là, il y a tout là. Parce qu'il y a tout là, mais encore. Est-ce que vous êtes en danger? Ouais, je suis entre les deux feux. Entre deux feux? Ouais. Entre deux feux de quoi? Entre deux feux de la place de Saint-Jean, en fait. Ah, entre des feux de circulation. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qui vous arrive, alors? Ce qui m'arrive, j'attends qu'il passe au vert, mais il passe pas au vert. Ah, vous m'appelez parce que les feux passent pas au vert? Mais vous voulez me voir ou quoi? Parce que là, je suis vraiment pas bien, là. Je voudrais qu'on me canalise un peu. Ouais, vous voudriez qu'on vous canalise, tu m'étonnes. Et rassurez-moi, vous n'êtes pas au volant de véhicule, là? Hein? Vous n'êtes pas en train de conduire, là? Non, je suis à pied, moi. Tout va bien pour moi, je suis à pied. C'est déjà ça. Je suis pas bien. Ouais. Je voudrais juste qu'on me canalise, tu vois. D'accord, faudrait faire le 15 ou le 115, alors? Hein? Faudrait faire le 15 ou le 115, parce que nous, en termes de canalisation, déjà, on n'est pas plombier, mais pour le reste, psychologiquement, c'est pas notre fort non plus, donc faudrait faire le 15 ou le 115. Mais pour le garde à vue, c'est pas possible? Pour le garde à vue? Ouais, en dégrisement, là, pour moi, c'est bon, hein. En dégrisement, en garde à vue, parce que vous êtes bourré? Ouais, pour moi, c'est bon, là, parce que je voudrais que vous venez me chercher, là. Parce que là, franchement, là, j'ai envie de niquer un œuf, là. D'accord, dites-moi quand vous... Même pas, j'ai envie de le faire à moi, j'ai envie de la peser, vous voyez? D'accord. Bon, mais bougez pas. Ouais, je vous attends. Hein. On vient vous voir. Et soyez sage en attendant. Voilà, j'ai très sage. C'est super. Voilà, de suite. Ah, de suite, alors? Eh oui. On arrive. Police secours, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que voilà, j'ai mon ami qui vient d'arriver chez moi et il y a un homme qui a essayé de l'agresser. Ah. Alors, si vous pouviez faire un tour dans le quartier parce que... C'est-à-dire, expliquez-moi l'histoire. En fait, elle est sortie du métro Patte-d'Oie. Ah, mais c'est une fille? Oui, c'est une fille. D'accord. Et un type l'a suivie jusqu'à chez moi qui lui a touché les fesses et qui se masturbait. Et du coup, elle est en pleurs chez moi. Bon, elle est toujours en pleurs, là? Elle peut pas parler? Non, elle est en pleurs, elle est bon. Un peu... Elle veut déposer plainte? Je pense pas. Tu veux déposer plainte, Jess? Non, elle me dit, ouais, ça sert à quoi? Pas grand-chose. Juste, c'est pour vous le signaler, quoi. Bon, bah écoutez, on va envoyer une patrouille. Il est possible que mes collègues rentrent en contact avec vous au téléphone? Oui, s'il n'y a pas de souci, si vous avez un individu. Voilà, s'ils chopent le mec, ils vont vous dire, voilà, l'individu est comme ça, comme ci, comme ça. Et ah vous... oui, avec plaisir, parce que ce genre de salaud... Voilà. Donc, restez à l'écoute de votre téléphone. Hein. Allez, je vous remercie, on va essayer de faire le nécessaire. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. TV 160 Charlie, ETN 31. Je vous écoute. Un petit passage sur la rue des Fontaines, s'il vous plaît. Rue des Fontaines. Alors, on a une dame qui nous appelle, en fait. Elle a été en présence de l'individu. Donc il a suivi la requérante. Et le problème, c'est qu'il lui a touché les fesses. Et a priori, il est en train de se masturber. Est-ce que la requérante l'a toujours vu? Elle s'est réfugiée chez sa copine parce qu'elle avait peur. Et quant au monsieur, elle l'a laissé, il est en train de se tripoter l'animal, donc bon. Police secours! Oui, bonsoir. Je voulais vous appeler, là, parce que là, j'en ai marre, là. Il y a des putes, là, sont putes devant chez moi. Donc, soit j'en prends une, je la plombe, quoi, parce qu'elles veulent pas partir, ni rien. Déjà, on va parler de notre ton, et les menaces, vous allez garder pour vous, par le fonctionnaire de police, pas un copain, donc je les plombe et tout ça. Maintenant, vous m'appelez pour des nuisances pour des prostituées, d'accord? Oui, mais... Le reste de vos raisonnements, vous les gardez pour collègue, vous. Il passe en voiture, il rigole avec elle. Il ne vire même pas, ni rien, il ne surveille même pas. Il pense qu'il rigole avec elle. D'accord. Donc on va passer pour les perturbations. Maintenant, vous savez très bien que pour les prostituées, la prostituée n'est pas interdite. Hein. C'est le racolage qui est interdit, le proxénétisme. Oui. Donc pour les nuisances, on va passer, on va les calmer ou les virer. Faire les évincer. D'accord. Voilà, monsieur. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Thank you.
Police secours. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que on a flashé Pradette, il y a des voyous du quartier, on vous a appelé tout à l'heure, ils sont en train de nous péter les vitres comme la dernière fois. Bon, 9 places des Pradettes. Ouais, on vous a appelé tout à l'heure. Non, mais je regarde parce qu'on est passé. On est passé à 21h. Oui, mais là, ils sont en train de péter les vitres. Ils sont combien? Je sais pas. Écoutez, franchement. En gros, madame. Bah, ils sont toujours pareils. C'est une vingtaine de putes qui. Alors, une vingtaine de. D'accord, une vingtaine de fils de putes. Donc, ils cassent quoi comme vitres, madame? Bah, les vitres latérales. Mais de quoi? De l'immeuble? De l'abri bus? Bien sûr, de l'immeuble. D'accord. Écoutez, je vous envoie quelqu'un, madame. 30 pour moi, 31. Moi, au 31, c'est la quatrième fois que nous sommes appelés ce soir et quatrième fois qu'on intervient. Au 9 place des Pradettes, 9 place des Pradettes. Donc, cet idiot qui continue à créer du grabuge au niveau de la résidence. Là, c'est la résidence Berkeley. Donc depuis le début de la soirée, ils y sont. Tout à l'heure, ils viennent de péter les vitres. Maintenant, ils continuent là. Donc si vous pouviez y passer et définitivement les évincer ou je sais pas. C'est un bordel pas possible, les voyous. Je vous ai parlé tout à l'heure. Ça a dégénéré avec le voisin dont je vous ai parlé. Et donc, il y en a deux qui ont cassé les vitres. Je les vois. Il y a un noir et un autre. Et je vois exactement où ils sont. Alors, attendez. Attendez, quittez pas. Ouais. Ils se cachent où, là? Ouais, il y a une noire, maintenant une femme, une noire. Madame, dites-moi, les individus qui ont cassé les vitres, où c'est qu'ils sont? Mais je vois même où ils sont. Mais dites-moi où ils sont, alors, madame, si vous les voyez, dites-moi où ils sont. Place des Pradettes. Non, mais où, sur la place, ils sont où? Juste à côté de la place. Bon, décrivez-les-moi. Ben, ils sont nombreux, il y a au moins une vingtaine, je ne sais pas si vous les décrire, il y a des noirs, il y a... Vous me dites qu'il y en a deux qui ont cassé, donc s'il y en a deux qui ont cassé, décrivez-moi les deux qui ont cassé. Il y en a deux parmi les autres que j'ai vus, mais ils sont nombreux, il y en a un avec... Madame, les deux que vous avez vus, décrivez-les-moi. Ben, il y en a un, c'est un arabe, il a une coupe, il a la tête un peu rasée avec des cheveux dessus. Alors attendez, un arabe, crâne rasé, il est habillé comment? Je le vois plus, là. Mais il est habillé comment? Je me rappelle plus. On est là dans 30 secondes. Donnez-moi des éléments, madame. On est là dans 30 secondes. Le véhicule est arrivé. Vous allez tous les voir. De toute façon, ils sont en train de faire un bordel pas possible. Ok, c'est noté, madame. Merci. Écoutez. Bonsoir. On est là dans 30 secondes. Chaque fois qu'on y va, ils sont plus sur le secteur 1. Donc, c'est devenu un petit jeu là, avec le gardien des 9 Pradettes hein, qui sort avec sa batte de baseball. Ouais, c'est reçu. Alors à ce moment-là, il faudra expliquer aux gardiens que vu qu'ils n'ont pas tous la lumière à tous les étages, ce qui serait bien, c'est effectivement de rester chez soi, de ne pas les provoquer. Comme ça, au moins, ça les lassera. Donc effectivement, il y a, depuis tout à l'heure, là, ça se provoque là-bas. Affirmatif, on a vu des vitres cassées là sur le côté. Et quand on arrive, il y a trois individus qui ont pris la fuite en courant. On en a récupéré deux, bon, on essaie de décanter sur la terre. Mais si on en a chopé deux, ça va peut-être le faire, Marc. Ok, reçu, merci. La main courante 686-8-1. Est-ce qu'il est armé, votre mari? Non, je pense pas, mais... Vous avez ouvert la porte ou pas? Ah, mais tout à fait, comme vous ouvrez la première fois. Il m'a tapé dessus, je lui ai dit que la police est partie. D'accord, on arrive, madame. Il vous a frappé, là? Oh oui, oui, oui. On arrive. Au revoir. Merci. 141 Alpha, la requérante pour la rue de la Caravelle nous rappelle. Apparemment, vous avez réussi à évincer l'individu une première fois. Mais il est de retour, là, et il tente de défoncer la porte. Vous y retournez? Eh bien, on est juste raccompagné en bas. On n'est pas loin de la Caravelle. On retourne. Reçu. Police secours. Allô? Oui. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'il y a eu, il y a eu un accident de voiture, là, voie du Touareg. C'est des gens qui sont rentrés dans un animal. Dans quoi? Par contre, dans un chien. Ah, ils ont percuté un chien. Voilà. Ok. Et le chien, il est par terre et les gens, ils font rien, ils sont dessous, ils bougent même pas. Ouais. Il faudrait appeler quelqu'un qui vienne soigner le chien, mais moi, j'ai bien des pompiers, mais les pompiers, c'est pour les humains, pas pour les chiens. Ouais, non, mais je pensais que vous auriez eu un numéro de vétérinaire ou je sais pas quelque
quelqu'un qui pourrait... Parce que le chien, il agonise, là. Ouais, il agonise. Il est à l'agonie ou il agonise, mais il n'agonie ouais. pas. Ouais, mais en tout cas, il souffre. Moi, ouais. un chien souffrir, ça me plaît pas. Ouais. Attendez. Vous allez faire le 32-37. Oui, c'est d'accord. C'est la liste où il y a les pharmacies de garde. Peut-être qu'ils vont vous donner le vétérinaire de garde. D'accord, je vous remercie. Ok, on fait comme ça ? D'accord. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Concernant les différents, là, bon, le mari avait quitté les lieux, la femme était bien secouée, elle a retiré les pressives. Il y a sa mère en bas qui pouvait la recueillir, donc ils ont quitté les lieux. C'est sans suite pour l'instant. Reçu. Main courante 190. La police secours, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je me permets de vous appeler parce qu'il n'y a rien d'urgent, mais en même temps, ça sent trop le shit dans mon couloir. D'accord. On boucane grave, quoi. Et ça fait un moment que ça dure et j'en ai plein le nez, quoi. Enfin, pour être poli, quoi. D'accord, oui. Là, je comprends. Alors, il est bien gentil, il se détend, mais là, tout le monde en profite, et là, c'est à dégueuler, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, qu'est-ce que je veux dire ? Ça vient d'un appartement, donc, c'est ça ? Ouais, l'appartement juste à côté de moi, quoi, et ça fait des années que ça dure, et là, j'en ai plein le dos, quoi, ça pue, et c'est mon voisin de palier, quoi, et ça me fait chier de le dénoncer, parce que c'est ce que oui, non, mais calmerait, mais ça fait chier, quoi, il fait chier, quoi. Ça, ça emboucane tout le monde. On en a encore parlé avec les autres voisins de palier. Ils le sentent et ça gêne les enfants, ça gêne tout le monde. Ça fait chier, quoi. Ok. Bah écoutez, je vais vous envoyer une patrouille quand même sur place. Vous voyez avec eux, hein, tranquillement. Et après, ils iront voir le gars sans que vous soyez là, quoi. D'accord ? Ouais, hein ? Ok. Ok, bah, je vous remercie, madame. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir, madame. Bon courage, hein. Merci. Au revoir, madame. Police secours. Allô ? Bonsoir. Oui. C'est Sophie à l'appareil. Sophie ? Oui. Bonsoir Sophie. Ça va ? Ben ça va et vous ? Je suis en détresse monsieur. Ah pourquoi ? Parce que je me suis fait agresser. Je suis handicapé. Ouais. Je vis seul. Oui. Et mon chien, mon chat. D'accord, vous êtes fait agresser par qui madame ? Comment ? Vous faites agresser par qui ? J'entends pas. Vous faites agresser par qui ? J'ai pas compris. D'accord. Alors, vous vous faites agresser par qui ? Un collègue que je connais. Un collègue que vous connaissez. Il est là ? Non. Bon, vous êtes blessé ? Non, j'ai mal à la tête, mais... D'accord. Monsieur ? Oui. Je vous appelle parce que je viens de voir un psychiatre ce soir. Ah oui, mais moi, je suis pas psychiatre, je suis policier, moi. Non, mais est-ce que je peux appeler le 15 ? Oui. Bah, merci beaucoup, monsieur. Au revoir, madame. Police secours. Oui, bonsoir, oui. Oui. C'est bon, légion étrangère là. Toujours pareil, la rale avec son butin roumain, agression à domicile. Bon, monsieur, j'ai du mal à vous comprendre là. Qu'est-ce qui se passe ? Parlez doucement. Oh, genre, je te répète gentiment. Ouais, mais y'a pas de soucis, moi aussi donc, je suis gentil. La putain d'arabe qui est dessus là-haut. Ah ouais, mais ça c'est pas gentil agressé. Ça c'est pas gentil, parlez gentiment là. Qui est-ce qui est agressé ? Il y a des blessés ou pas ? Non. Il est possible qu'il y ait deux morts. Il est possible qu'il y ait deux morts. Oui. Ça veut dire quoi, ça ? Non, je rigole. Mais non, je rigole. Ah je suis con, quoi. Ben non, je suis pas con, je suis policier. Et eux, ceux qui foutent le bordel... C'est pas parce que je... Ok. Ben, vous êtes là pour me dire des trucs, mais vous m'écoutez pas. Donc moi, je parle pas et on arrive. Au revoir. Ouais, qu'en est-il de vos recherches sur le véhicule en fuite, là ? Recherche Police secours, bonjour. Oui, excusez-moi, il y a des jeunes qui se battent en palo, là, c'est assez grave. À quel endroit, madame ? Sur la place à côté du métro. La place du marché ? Non, au côté de au métro. Au métro en palo, là. Le bâtiment en face, juste au métro, en face du métro. Oh mon Dieu, ils ont sorti des calibres et tout. Oh mon Dieu. Des calibres, vous dites, madame ? Oui, ils ont sorti des armes jeunes. Si combien vous de jeunes ils sont, madame ? Combien ils sont ? Une dizaine de jeunes. Ils sont de la cité, du coin, vous les connaissez ? Oui, ils sont d'ici. D'accord. Et il y a des armes à feu ? Oui. Madame, calmez-vous, là. Vous habitez où ? Vous êtes où, vous ? On habite au bâtiment de Cannes. À rue de Cannes, j'habite. Rue de Cannes, vous êtes à quel numéro, vous êtes rue de Cannes ? Non, mais je veux pas. Je préfère être anonyme. J'ai peur. Non, mais il n'y a aucun problème, madame. C'est pour nous, la police, là. Donc, ils sont sur la place du métro.
Oui, de TN31, de TN31, attention des effectifs, secteur Empalo au niveau du métro, à côté de la place du marché. Une requérante vient de nous appeler, il y aurait une dizaine d'individus qui se battraient donc à la sortie du métro, donc au niveau d'Empalo, il y aurait présence possible d'armes à feu, sans assurance. De TN31, message terminé. Oui, TN31 demande une bac au niveau du métro Empalo. Les autres effectifs attendent, pas de prise de risque. TN31 de Théosanis, je suis au métro et pour l'instant, il n'y a rien du tout. Prise de contact avec l'agent de sécurité du métro, il n'y a rien. Donc, reste sur place, bien reçu. Oui, TN31 de Théosanis, je confirme, on a toujours les jeunes qui sont en face au pied des barres, mais la situation est calme. Oui, bien reçu. Donc, on quitte les lieux pour 31. Pour les autres effectifs, on quitte les lieux. Police secours. Oui, excusez-moi, j'aimerais le numéro de téléphone pour un renseignement auprès de la police, s'il vous plaît. Mais je voulais pas vous appeler police secours. Vous voulez quoi comme autre... Vous voulez quoi comme renseignement? En fait, je suis partie de la maison, je suis mariée. Oui. Et en fait, j'ai un peu peur de rentrer pour certaines raisons. Oui. Et je voulais savoir si mon mari pouvait... Si ça pouvait jouer contre moi comme abandon de domicile, si est-ce je rentre que, pas... Alors, est-ce que vous avez, dans un premier temps, est-ce que vous avez un hébergement pour ce soir? Je peux en trouver un. Bon, alors, est-ce que vous êtes passé au commissariat faire une main courante? Non, mais je ne voudrais pas que ça en arrive là, en fait. Pourquoi vous voulez pas que ça en arrive là? Vous avez quitté le domicile conjugal, on est d'accord? Ben là, je l'ai pas vraiment quitté, c'est pourquoi juste que je veux pas rentrer de suite, quoi, voilà. Ouais, donc vous allez venir faire une main courante au commissariat en disant « Ce soir, je ne rentre pas au domicile conjugal où je suis marié avec monsieur un tel pour des raisons qui me sont personnelles. » Et c'est tout, et après, vous faites ce que vous voulez. D'accord, donc je peux venir au boulevard de l'Embouchure, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut se garer facilement? Non, pas, enfin, oui, le soir, il y a de la place, normalement. Vous cherchez autour du commissariat, vous allez voir. Merci beaucoup, monsieur, c'est adorable. Ben, je vous en prie, madame, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Elle a dit c'est adorable, la dame. Police secours. Ouais, bonsoir. Excusez-moi, on est à Saint-Pierre en fait. On est deux copines et on vient de se prendre deux claques par deux mecs qui sont en train de s'embrouiller. Et il y a un mec qui est en train de se faire démonter parce que on n'a pas très bien compris pourquoi. Il y a 15 mecs et ils sont en train de bloquer la route. Mais on est en scooter, on a envie de rentrer. Et c'est un mec de 40 ans qui se fait taper par un mec qui fait 2 mètres sur 2 mètres. Ouais, et dites-moi, qui est de la dorade, vous êtes à quel niveau? On est au début. Quand on part de Saint-Pierre, qu'on va vers la dorade sur les quais, on est au début. Je suis désolée, et là il est 3h du mat, il n'y a aucun flic à Saint-Pierre alors que toutes les embrouilles sont là. Là il y a un mec qui est en sang et nous on s'est pris deux claques alors qu'on est deux meufs qui ont essayé de savoir qu'est-ce qui se passait. Ils sont combien? Et là c'est n'importe quoi. Ils sont combien les mecs là qui foutent des claques? Ils sont une quinzaine, il y a un mec tout seul et il y a 15 mecs. Eh bien on arrive. Eh bien de suite. Police secours! Ouais, il y a au moins 30 personnes, j'ai pris sur la gueule. Bon, il y en a qu'un qui m'a tapé. Les autres, en fait, ils sont en train de me protéger. Mais j'ai pris plein la gueule. Hein. D'accord, vous êtes à côté du quai de la Dorade. Donc il faut venir assez vite là. Tout s'embrouille là. Là, ça s'embrouille. Hein. Votre nom, c'est quoi? Il faut venir vite. Votre nom, c'est quoi? Quoi? Alors, hé, on arrive. Police secours. Sincèrement, c'est la deuxième fois que je vous appelle, que je vous ai demandé d'amener des flics parce qu'il y a une espèce de baston, il y a un mec qui est en train de se faire démonter la gueule et il n'y a pas un flic à Saint-Pierre. Mmh. On arrive. TJ 150 ou BAC 154 Alpha de TN31. 31 de TK902, annulé pour la RIX, pour les renforts. Hein. Donc les esprits se sont calmés, on prend les identités et on convoquera les personnes, reçu. Police secours. Ouais, c'est reçu, TK902. Des escaliers juste à droite, il y a un pont, et là, mon ami, on lui a volé ses clés de voiture et son portable. Le copain de la requérante. Bien. Il a vu quelqu'un le faire, hein? Attends, Lola, comment? Vous avez vu les auteurs? Ils sont où, les auteurs? Ben, les jeunes, ils sont là. Mon ami, il est allé les voir, il veut le récupérer. Et il est tout frêle, il
est tout fragile, il faut pas qu'il y aille. Alors, quoi. Combien d'individus? Ils sont, je sais pas, ils sont 4 ou 5. Vous les voyez de là où vous êtes? Ben là, mon ami, il est là, Rémi, ils sont partis là? Oui, oui, ils sont partis. L'âge à peu près? L'âge, ils ont 20 ans, votre âge. Environ 20 ans, d'accord. Ensuite, on va les décrire un par un. Avec qui là? Avec la police. TJ 783N, le TN31. On me signale au niveau de la place Saint-Pierre, en descendant les escaliers, en bas des escaliers, il y a 5 minutes, le copain de la requérante qui vient de se faire dérober les clés de sa voiture, son téléphone portable. Les individus sont en train de partir sur la place. Individu type nord-africain, âgé d'environ 20 ans. Il y en a un qui est vêtu d'une casquette et d'un pantalon gris, d'une doudoune noire. Les autres, pas de signalement. Ils pourraient les reconnaître. Oui, police secours. Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis vraiment embêtée, très très embêtée, et je suis en détresse. Voilà, mon conjoint a des sortes de maladies sous prétexte que j'ai quitté. Madame, je vous coupe, madame. Je vous coupe, vous êtes à la police. Si vous avez un problème de santé, vous faites le 15. Oui, mais le 15, ils ont tendance à occulter et me jeter. Eh bien, alors vous faites le 18, madame. Parce que ce qu'il y a, c'est que la police, là, on va pas vous aider dans votre maladie. Parce que c'est pas normal, sous prétexte que j'ai compté. Bon, je vous laisse, madame. Allez. Oui, la police. Oui, monsieur l'agent, excusez-moi de vous déranger. Bon, madame, ça suffit maintenant, vous n'allez pas bloquer la ligne toute la soirée, hein. Alors vous appelez le 15, vous appelez SOS Médecin, je sais pas qui vous appelez, mais vous appelez quelqu'un d'autre, hein. Oui, police secours. Oui, monsieur l'agent, aidez-moi un peu, s'il vous plaît, si vous avez la patience. Non, j'ai pas la patience, madame, vous allez pas commencer à nous embêter toute la soirée. Ça fait 10 fois que vous nous appelez pour rien nous dire. Alors laissez-nous travailler tranquillement. Bon, madame, ça commence à bien faire. Vous nous harcelez la nuit, ça commence à bien faire. Bonne nuit, madame. Allez. Cinq. Ils ont les 5. Ils ont les 5. Et ça venait sur un plateau quand même. Hein. TJ 783N de TN31. Ah oui, non mais c'est bien. Donc tu me confirmes l'interpellation de l'auteur principal et des 4 individus qui l'accompagnaient ? Oui, affirmatif, des individus porteurs de la clé dérobée, qui s'est débarrassé de notre vue du portable dérobé, et les 3 autres individus qui se débarrassent dans le monde pour procéder au vol. Ok, c'est parfaitement reçu, donc 5 interpellations, c'est reçu. Police secours ! Oui, bonsoir, alors madame, vous m'avez appelé à plusieurs reprises. Hein. Alors ça suffit, c'est une ligne d'appel d'urgence. Vous nous appelez tous les jours, ça suffit madame. Vous avez vu les caméras? D'accord. Ça met des tartes, ça tire le sac. Ah là, elle veut pas les filer le sac, hein. C'est où ça? C'est au Capitole? Oh là! Ah, il va lui choper les roues, hein. Allez, envoie un véhicule, va. De TN31, véhicule à proximité du Capitole. On a un gros différent, là, de couple qui tourne à la RIX. La police, bonsoir! La police, bonsoir. La police, bonsoir. La police. J'ai cassé mon téléphone, c'est le seul lien que j'ai avec ma famille. En plus, regarde, c'est quoi le pire, c'est que ça a pris. Oh merde.
Vous avez appelé la police. Visiblement, il y a des violences conjugales à votre domicile. Vu qu'il n'y a pas moyen de vous recontacter, on va faire identifier le numéro et essayer de trouver l'adresse et venir chez vous. Bonsoir. Allô? Oui, lieutenant, bonsoir, c'est le capitaine, là, au 17. J'ai un souci, je viens d'avoir un appel au 17. Oui. Donc la femme a composé le numéro, elle n'a pas pu parler en fait, donc j'ai écouté en passif. Oui. Et en fait, on entendait bien donc, des bruits de violence conjugale. Ouais. Donc sur l'appel, elle dit qu'elle est enceinte, qu'il y a un enfant en bas âge a priori entre les deux. Ouais. Elle le dit aussi. Et au bout d'un moment, elle dit, bah, tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai appelé à la police, ils entendent tout ce que tu dis. Et évidemment, elle ne dit pas son adresse. Et voilà, et quand elle dit ça, dans les 10 secondes qui suivent, ça coupe. D'accord, et vous avez quand vous refaites le numéro, ça fait quoi? Alors, la première fois, ça a sonné, maintenant, ça tombe directement sur la messagerie. Ah. Voilà. Ouais. Bon, on n'a pas l'impression quand même qu'elles sont en train de se faire tuer. A priori, si. Ah ouais. Bon, moi, j'ai toujours l'appel enregistré, je vais garder l'appel. Ouais, parce qu'il faudra. Bon, si on arrive à faire quelque chose, il faudra peut-être faire une saisine et tout. Exactement. Très bien. Allez, merci beaucoup. Je peux faire, je vous garantis rien. Merci, lieutenant. De rien. 32-114 Delta. Oui, parlez. Oui, pour l'individu, il a été récupéré par un ami, donc c'est sans suite pour nous. Et on s'est rapproché de Saint-Pierre également. Max 157, le TN31. À côté d'une voiture grise, un homme vêtu d'un haut blanc neige et une dame qui porte un gilet noir qui sont en train de se battre. Enfin, l'homme frappe la femme sur la voiture. Oui. Madame, c'est à quelle adresse? Allô? Monsieur, non, mais à quelle adresse, pareil, madame? Non, mais c'est bon, ça va aller, merci. Non, mais madame, donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas. Non, mais c'est bon, ça va aller, merci. Mais madame, on s'inquiète pas, mais on va voir si tout va bien. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. On l'aura d'une manière ou d'une autre, madame, votre adresse. Alors donnez-le-moi. Ne vous inquiétez pas, ça va bien, monsieur. Non, mais on va venir voir et on tant qu'on n'aura pas constaté, madame, on insistera. Donc donnez-moi votre adresse, on va venir, on va voir si tout va bien, et si tout va bien, on s'en ira, non, d'accord. Mais tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est bon. Non, mais madame, il n'y a pas de souci, mais donnez-moi quand même votre nom, votre adresse. C'est 15 avenue, oui. Votre copain, il est où, là? Il va partir, là. Il va partir? On en est bien sûr de ça? Comment? Vous en êtes sûr de ça? Hein? Vous en êtes sûr? Oui, il va partir, oui. C'est bon. On va venir s'en assurer quand même. Comment? On va venir s'en assurer. Non, mais bon, ça va aller, merci, c'est bon. Voilà. Alors, si jamais il part entre temps, là, vous nous rappelez de suite au 17, d'accord? D'accord. Okay. Quand il est parti, vous me rappelez. Ok, d'accord. Parfait, merci. À tout à l'heure. D'accord, merci. Max 157 de TN31. Donc le couple est remonté en voiture et ils partent en direction des arènes. A priori une Peugeot grise, on n'a pas le modèle. Une Peugeot grise. Et le couple est à l'intérieur. Et le monsieur a frappé la dame et ils sont montés tous les deux dans le même véhicule. 114 Delta de 31. Oui, donc pour un accident. Un accident entre le péage de Muret et la sortie 37. Une Golf noire encastrée dans le terre-plein central. Allô? Oui, madame, c'est la police. Oui. Bon, on en est où, là? Mais il est parti, c'est bon. Il est parti. Je ne sais pas trop quoi vous dire, là, parce que le problème, c'est que des violences conjugales, on peut pas trop laisser ça comme ça. En plus, sur l'appel, vous me dites que vous êtes enceinte. Oui. C'est lui le père? Oui. Bon. Est-ce qu'il vous a frappé? Non, ça va. Est-ce que ça arrive souvent, ça? C'était déjà arrivé auparavant, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait rien eu, quoi. Il avait consommé de l'alcool ce soir? Comment? Est-ce qu'il avait consommé de l'alcool ce soir? Oui. Il est parti, là? Oui. Bon. Est-ce que vous comptez faire quelque chose ou... Comment? Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Non, c'est bon, ça va aller. Bien. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci. Bonsoir.
Oui. Oui, c'est capteur là, de nouveau. Oui. Bon, c'est réglé. Hein. Ah, c'est bon. Ouais, le mec est parti. Là, elle était beaucoup plus calme, ça allait mieux. Bon. Bon, d'accord. A priori, ça arrivait à une époque, ça ne devait plus, ça arrivait plus depuis quelques temps, mais bon. Mm-hmm. Voilà. Là, il avait picolé, donc voilà. D'accord. Mais bien, ça se termine comme ça, même si ça va recommencer bientôt. Ah, exactement. Ok, ça marche. Merci, bonsoir. De rien. Ouais, c'est réglé. C'est réglé ? Ouais. Il est parti ? Ouais. Parfait, ciao. La police, bonsoir. Oui, bonsoir. C'était pour signaler que je ramenais un collègue chemin du Saint-Lucerne à Toulouse. Oui. Et il y a un monsieur là au feu rouge, il est complètement étalé par terre, enfin, dans l'herbe en fait. Et il bouge même plus. Ouais, c'est ce qui arrive quand on dort. Alors, chemin, à quel endroit ? Chemin du Saint-Lucerne. Ouais, mais c'est grave. Il est là, ouais, mais il est là le chemin. Quoi ? Il est là le chemin. C'est au tout début. Il est au feu. Et Grand-Gueil, main courante 218. Voilà, ça c'est fait. TJ150. Ouais, j'écoute. Donc, c'était une tentative de carjacking. Ils ont essayé de dérober la BMW du propriétaire, là. Les auteurs ont été aperçus par des témoins, là. Ils ont pris la fuite dans un véhicule noir. Allez, c'est reçu. La police, bonsoir. Bonsoir. C'est moi. Et toi, ça va ? Bah écoutez, monsieur, moi, ça va bien. Hein. Si vous, ça va, il n'y a pas de souci. Ça va bien. Et puis, moi, Nicolas, il n'a pas pu remplacer une, Nicolas. Comment on fait ? On est obligé de contacter là. Monsieur, vous êtes sur un appel d'urgence, là. Police secours, le 17. Oui, ben moi aussi, je suis dans l'urgence. Mais, monsieur, s'il vous plaît, je vais vous laisser, d'accord ? Et moi, je te fais de gros bisous. Oui, moi aussi, au revoir, monsieur, bonne soirée. Eh bien, ciao. Ciao, ciao. Ah. La police, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi, je vous avais appelé tout à l'heure, là, vous m'avez dire comment vous allez me renvoyer quelqu'un. Oui. Le véhicule, bon, le véhicule est pas arrivé, monsieur, chemin des Ramassiers. Mais elle n'est pas encore arrivée, madame. J'attends bon. Toujours. Hein. D'accord, je m'en occupe, monsieur. D'accord, merci. Je vous attends, madame. Il n'y a pas de souci, monsieur. Merci. De rien. Au revoir. Oui. Ouais, c'est Annie. Ouais. T'as pas le véhicule, le chemin des Ramassiers ? Mais non, où ça ? Eh bien si, il y a une fiche sur Coulommiers indifférent. 52. Mais attends, Annie, je peux pas là. Attends. Ouais, 142 sur votre commune, 12 boulevard Alain Savary. 12 boulevard Alain Savary, vous avez des gars en train de faire un véhicule. C'est en cours, actuellement en cours. Trois individus porteurs de doudounes sombres, type européen. C'est reçu. Ils sont toujours sur le véhicule apparemment. Individus vêtus de doudounes. Ouais, bon, on est sur place, il y a rien. On voit les jeunes là, mais bon, on va voir ça, on va décadrer parce que... Ok, reçu. 140 Alpha de 31, une mission sur votre commune, chemin des Ramassiers, c'est dans un pavillon. Un différent trépou, ça se passe mal. La police, bonsoir. Oui, bonsoir madame, je vous appelle, je suis à Toulouse Capitole, je viens de faire voler mon sac à main. Ça vient de se passer, madame ? Ben oui, il y a 5 minutes. Bon, vous prenez les métros, vous prenez la sortie, canal du Midi sur la ligne B, vous êtes devant le commissariat. D'accord, on est tous de TEN 31, il est 21h32, aucun véhicule s'annonce au niveau du service général. Donc TEN 31 demande un ou deux véhicules qui s'annoncent rapidement. Eric, je te prends 2 minutes. 31 de nuit 11. Ouais, nuit 11, j'écoute. Attends, Annie, attends. Qui c'est qui est sur nuit 11, là ? Putain, mais c'est pas possible. Oui. Chemin de Beauregard, j'ai une bouteille de gaz, le mec il l'a retrouvée, elle était ouverte.
Donc, dans les coursives, une bouteille de gaz. Ouais, de TEN 31 à tous les véhicules. Il vient d'y avoir lieu il y a 5 minutes environ, place du Capitole, un vol de sac à main. Les auteurs, 4 jeunes filles, une en survette blanche, une en noir, une en gris. Direction de fuite à pied, mais j'ai pas de direction. Et les pompiers, donc, ont pété un visier parce que ça a été, la bouteille était fermée. Ils se déplacent s'il y a vraiment odeur de gaz ou quoi que ce soit. Allez, vas-y rapidement et tu veux t'y informer, comme ça on les appelle ou quoi que ce soit. La police, bonsoir. Ouais, bonsoir, j'habite à Colomiers et en fait, je suis en train de me promener, mais en fait, là, je suis sur le capot d'une voiture parce qu'en fait, il y a un chien, je sais pas si c'est un staff américain ou quoi, il est pas attaché, il a pas l'air très aimable en fait. Et je préférais vous appeler plutôt parce qu'il faut que je passe devant lui et j'ai pas envie de me faire bouffer en fait. Attendez, il est en liberté le chien ou il est attaché? Ouais, il est en liberté, il est en train d'aboyer. Et... Alors, on va essayer de trouver quelque chose. Alors, un individu. Ah, la victime, je vais mettre, parce que vous êtes quand même bien victime, là. La victime. C'est quoi comme chien, monsieur? Franchement, de loin, je sais pas si c'est un pitbull ou un staff américain, mais ça a pas l'air très gentil, quoi, en fait. Par un chien, donc, je pense, de quatrième catégorie. Qu'est-ce que tu veux? Eh, dis-moi, j'ai besoin de véhicule. Oui, c'est parce que c'est le bordel, il y a des missions au secours, on voit là, et là, il n'y a pas des missions où on peut attendre. Ça marche. Ouais, 114 Charlie, vous allez au 7 avenue Paul Séjourné. 7 avenue Paul Séjourné, à la demande des pompiers. En rez-de-chaussée, apparemment une personne décédée. Sur le toit, vous êtes du véhicule? Franchement, honnêtement, madame, il n'est pas attaché. Franchement, honnêtement, je suis pas en sécurité si je suis pas sur la voiture. Et le tableau, il est rouge grave. Et sans déconner. Et des prises de service comme ça, c'est d'enfer. Il va en falloir du gaz cette nuit, je crois. Parce que c'est bien parti. Allez, vous allez à Bachagabou, Alam. Merci. La police, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle car je crois que ma voisine est en train de se faire frapper par son mari au-dessus de chez moi. Et elle hurle depuis un moment, elle crie au secours, etc. Donc voilà, pour savoir si vous pouviez éventuellement passer pour voir ce qui se passe, parce que je suis pas du tout rassurée pour elle. Différents entre-époux, donc... Oui, elle est là, c'est ce que j'entends, madame, là? Oui, c'est ça. Bon, on va faire le maximum, madame, pour intervenir le plus vite possible. Merci, à vous, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Ouais, 140 Alpha, vous allez prendre encore une mission sur votre commune. Boulevard Victor Hugo. Apparemment, la victime est menacée par un chien de quatrième catégorie en liberté. Donc elle s'est réfugiée sur le toit d'un véhicule devant le parking du lycée international. Donc elle est sur un véhicule, assise, devant le lycée international. C'est reçu? Ouais, bien reçu. 31 de TV 514 Charlie. J'écoute. Donc personne... décédé depuis plus de 3 semaines apparemment, donc il nous faudrait un médecin sur place pour le constat de décès. Bon, joli. L'appartement est insalubre, donc c'est une personne, écoute, d'après un ami là, qui est malade, qui était alcoolique, et il prenait des médicaments. Alors, comme nom de médicament, j'ai dû lui prendre des Rex et de la Naphtaline. Eh bien, tant mieux que tu... Hey, la Naphtaline, c'est pour les mythes, colo. Ouais, donc bon, moi j'ai vu avec. Donc le SAMU va vous dépêcher un médecin, j'ai vu avec l'hygiène, donc s'il y a un obstacle, vous nous le redirez, à ce moment-là, ils se déplaceront. Oui, comme le cadavre date un petit peu, il va être certainement méconnaissable, vous demandez ce que l'hygiène est sur place. Allez, c'est reçu. Alors là, c'est pas mal, hein. Alléluia. 130 Alpha, j'écoute. Oui, on a un contact d'une dame, 6e étage, appartement 353, qui me dit qu'elle n'a pas fait appel à nos services. Bah écoutez, si la dame elle va bien, c'est l'essentiel, hein, parce que normalement le mari il s'en servait comme punching ball. Donc si elle va bien, impeccable. C'est sans suite alors. Hein. La police, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Il y a une dame que vous a appelée maintenant, c'est ma concubine, madame. Oui, pour quelle adresse, monsieur? Oui, elle est malade, c'est pas la peine de la vouloir parce qu'elle est malade. Et pour quel motif elle nous aurait appelé, monsieur? Je vous ai dit qu'elle est malade, elle n'a rien comme ça. Aucun motif. D'accord. Je voulais mais... que vous inquiétiez pas, c'est ça, madame. Non, mais monsieur, pourquoi vous vous énervez? Je vous pose juste non, des questions. Je parle comme ça. D'accord. Non, je m'énerve. D'accord. Je vous en prie. Bonsoir, bon. Madame, mais apparemment, elle ne nous a pas encore appelé, monsieur. D'accord, merci. Allez. Au revoir, monsieur. Bonne soirée. Ouais, TP790, vous allez vous rendre métro ligne A, Saint-Cyprien. Vous avez un type allongé là, en position du sniper. Vous voyez ce qu'il en est? C'est une nuit dingue ça pour une nuit de semaine. Ah mais samedi ça a été comme ça, mais toute la nuit. Du début jusqu'à la fin. Oui non mais là ce soir on est jeudi. D'accord. Bon, écoutez, le principe. Je vous appelle là.
commissariat. Voilà, attends. TC Alpha, donc apparemment c'est en périph' extérieur, juste avant l'échangeur en macrame. J'ai rien d'autre. Il appelle le numéro dans le monde. Police secours, j'écoute. Non, bonjour, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne fête aussi. Ben, je vous remercie. Joyeux Noël également. On ne le dit jamais aux gens de la police, hein. Pourtant, c'est des gens qui sont comme tout le monde, vous voyez, j'estime, monsieur. Et j'ai dit quand même, je vais leur souhaiter quand même bonne fête et joyeux Noël. Ben, je vous remercie bien, madame. Joyeux Noël à vous et joyeuses fêtes. Merci d'avoir appelé, madame. Au revoir. Je vais vous le dire. Au revoir et à tout le monde, vous le direz. Je transmettrai, madame. Au revoir, madame. Joyeuses fêtes. Et bonne soirée. Bon appétit aussi. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Police secours, j'écoute. Oui, alors bon, je m'excuse. C'est pas très grave, mais ça allait assez. Je suis à Casino. J'ai perdu mon ticket. C'est fermé. Et moi, je peux passer nulle part avec ma voiture. Alors, si vous pouviez les appeler. Je suis désolée, je peux pas sortir du Casino. Je vais y passer toute la nuit. Je sais que c'est pas important, mais... Non, mais madame... Mais d'habitude, ils ouvrent la porte. J'ai pas d'endroit où passer avec ma voiture. Je vais la casser. Mais c'est fermé, madame. Ah oui, la barrière est fermée. Il y a marqué « Mettez le ticket ». Non, mais le commerce... Oui, le commerce est fermé aussi. Mais il est fermé depuis combien de temps? Eh bien, depuis 10 minutes à 15h, à 19h. Il est fermé à 19h aujourd'hui. Eh bien, madame, s'il ferme à 19h, il doit y avoir encore du monde. Quittez votre véhicule et allez frapper au magasin, madame. Madame, vous m'écoutez pendant qu'il y a encore du monde? De toute façon, ils font les caisses, donc... Il n'y a pas de monde, tout est fermé, ils ont tout fermé vite. Je ne peux pas frapper, on ne peut pas frapper. Il y a une vitre, c'est fermé. Madame, voilà. Madame, vous essayez de vous calmer. Je ne peux pas frapper, vous comprenez ça? Ben oui, je comprends très bien, madame, que vous sortez de votre véhicule. Je vous dis qu'il... Je suis autour, je klaxonne, je demande aux gens, il n'y a rien à faire. Madame... Madame, je vois pas le rapport avec votre statut d'infirmière. Je vous dis ce qu'il y a lieu de faire. Parce que je sais qu'il faut faire, il faut pas laisser. Moi, je suis à Mermoz. Bon, voilà. Vous êtes à Mermoz déjà, madame. Je vous dis, vous sortez de votre véhicule et vous allez voir à Casino. Mais j'y arrive pas. Je vais essayer de frapper. Eh ben, allez-y, madame. Ouais. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Police secours, j'écoute. Oui, mon cœur, je vais me faire voler mon chien. C'est-à-dire, madame? Je viens de la mettre dans mon jardin et j'ai entendu quelqu'un sortir et j'ai pris mon chien, monsieur. Mais c'est quoi comme chien, madame? C'est un berger allemand croisé malinois bosseron, mais elle est toute petite. Elle est petite, couleur noir et feu, tout du berger allemand, elle est tatouée. Croisé quoi, vous m'avez dit? Berger allemand croisé malinois, il y en a un peu de bosseron aussi. Devant la demi-sœur de la dame. Monsieur, retrouvez mon chien, je sors de Noël. Je laisse dans le jardin tous les soirs, il y a le portail qui est fermé, monsieur. Oh non, elle est mon chien. J'ai entendu quelqu'un quand j'étais en haut et je suis descendue vite voir et elle n'était plus là. D'accord, bah, je vous envoie un équipage, madame. Je vous en prie, au revoir, madame. TV 514 Delta, le T31 Delta. Transmettez pour Delta. Ouais, Delta, un petit passage, s'il vous plaît, sur la rue Albert Lotman. Pour un individu type SDF voilà, qui aurait pris du LSD, qui ferait un mauvais trip. Et a priori, il serait pas bien. Hein. Donc les pompiers ont été commandés, mais ils auraient besoin de nous sur place. On a une confiance toute relative dans l'individu. Voilà, je les attends. Tiens, ouais. Oui, police, bonjour. J'ai appelé la police, là. Je suis madame Pélude. Je suis madame Pélude. Ouais, je viens d'appeler, moi. Mais hey, on a les collègues qui arrivent. On s'est fait défoncer, on n'a pas compris. Oui, mais on arrive, on va arriver bientôt là. On n'a pas compris. Et ben, vous il y avait 10 personnes qui sont en face de moi, j'ai fait une pêche dans la gueule, j'ai pas compris. D'accord. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un? Mais non, je sais pas. Vous avez reconnu personne? Mais non.
Est-ce que les individus étaient cagoulés? Mais non, j'ai pas cagoulé. C'était des guignols. Des guignols, d'accord, très bien, c'est des guignols. Je sais pas. Ok. Moi c'est sur de Noël, quoi, je sais pas. Les mecs sont rentrés et on s'est fait défoncer. Vous avez bu un petit peu, non? Mais je sais pas, moi, les mecs sont... Oh, monsieur, vous répondez à ma question. Ils sont rentrés dans mon appartement. Oui, on le sait. Répondez à ma question, est-ce que vous avez bu un petit peu d'alcool? Mais non. C'est sûr? Mais non. C'est sûr? On a pas bu, mais non. Bon, mais tant mieux, alors. L'apéritif qu'on a bu qui crée. Voilà, qui donc vous avez bu, très bien. Je connais pas la personne qui est rentrée chez moi. Oui, je suis d'accord avec vous. Oh, je vous laisse, on arrive. Allez, ciao. Sans déconner, quoi. Allez. Et ils sont tous bourrés. Au secours, hein. Joyeux Noël. Police, bonjour. Vous êtes quoi? J'ai glissé dans mon appartement. Ouais, et alors, vous avez du mal à vous relever? J'ai pas du mal, je suis couvert de sang. Ok, vous avez quel âge? 63 ans. Combien, 60? 300. 63 ans. Ok. Ok, vous êtes allongé, vous signez? Je vais me allonger. Ouais, écoutez, vous restez allongé, on vient vous voir, d'accord? Merci, au revoir. Allez, hop. Bon, oh, Samu. Donc, constatation de cambriolage effectué. Donc, par le trap des... 141 Alpha, avenue d'Andromène. Le fils de 16 ans veut sortir, maman veut pas et ça dégénère à confusion. Okay. 40 rue des Amidoniers, un individu jeune, grand, vêtu de sombre, qui se promène avec une barre de fer et qui renverse les poubelles. Rien aussi. Police secours ? Oui, bonjour. Bonjour. Rien d'inquiétant, mais j'ai vu quelque chose de bizarre dans le ciel. Il y a 5 minutes, il y a une espèce de très grosse boule de feu qui est passée dans le ciel. Une boule de feu ? Oui. Ah, dites-moi, ce serait pas une météorite ? Enfin, je suis pas trop calée en matière. À moins que vous ayez eu plusieurs appels, mais... Non, j'ai pas eu d'autres appels, à mon avis, il n'y a rien d'inquiétant. Vous êtes sûr, c'est pas un incendie que vous voyez au loin? Non. À moins que peut-être ce soit le Père Noël dans le ciel avec son traîneau. On a filmé, donc on est... Vous avez filmé? Ah ouais? Oui, non. Non, moi j'ai pas... En tout cas, on nous a pas signalé de catastrophe ni d'incendie, donc ça doit être un phénomène dans le ciel, peut-être, voilà, météorite ou... Je vois pas, j'ai pas la solution. Bon, réveillons. Au revoir, monsieur. Bonne soirée, au revoir.